Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans les rues de Paris, cité universitaire, on est dans le 13e arrondissement pour suivre ce match entre le Paris FC et la Saint-Etienne. Match grosso modo sans gros enjeu parce que bon, quoique Saint-Etienne doit encore assurer son maintien, mais pour nous c'est quasiment fait, il n'y a plus rien à jouer. On avait malheureusement une bonne opportunité de monter, on était encore à 5 points au mois de janvier, puis on a eu une grosse série. On a tout gâché, même lâché la Coupe de France alors qu'on était en 8e et qu'on jouait contre Annecy justement. Donc quand on voit leur parcours, tout le monde, ça fait envie. Mais bon. Bref, aujourd'hui c'est notre dernière occasion de vraiment vibrer avec un gros match. Moi, contre Bordeaux, j'étais pas là, mais là du coup, pour ce match contre Saint-Etienne, on va être là aujourd'hui. Je vais essayer de garder ce vlog un peu plus court que d'habitude parce que je suis en plein dans pas mal de tournages et en plus il y a dès demain il y aura un autre match normalement, donc ouais, faut que j'ai le temps de faire tout ça. Et puis bon, voilà, on va profiter un peu pour essayer de donner de la voix dans le bloc. Je suis plus revenu là depuis ouais, depuis Sochaux l'année dernière, hein. Et ce fameux coup de massue, si vous me suivez, bah, vous vous en rappelez, malheureusement. Je m'en suis pas totalement remis encore, mais j'espère que nos Parisiens vont nous faire vibrer aujourd'hui. Allez, on s'abonne, on like, et de suite, on va direction le stade Charletti pour le match PFC ASSE. Yeah.
ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Paris, 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 Pa
encore un vlog qui se finit par une nouvelle débandade du PFC. Bon, vous voyez que je suis tout sourire parce qu'honnêtement, bon voilà, comme vous saviez, il n'y avait rien à gagner ni à perdre. C'était un match pour le plaisir. Et bon, bah, on s'est encore fait marcher dessus. Bon, le match il est encore en cours au cas où, mais disons que je dois sortir un peu plus tôt parce que je dois vite filer pour un bus pour filer au prochain endroit où on va. Je vous donne un indice, on part un peu plus dans le sud de la France pour un match entre deux équipes relativement proches. Bref. Pour ce qui est du PFC, comme vous avez pu voir, la saison est encore un échec. Mais bon, on va espérer bien utiliser cette intersaison et pouvoir repartir sur de meilleures bases. En espérant qu'il y ait certaines têtes qui sautent. Mais bon, je fais confiance à notre président Pierre Ferracci pour ça. Bon, à préciser aussi qu'il y avait pas mal de Stéphanois qui étaient là aujourd'hui. Stade avec beaucoup de maillots verts, il faut le reconnaître. Ils ont une diaspora dans toute la France. Même si là, pour le coup, ils ont pas leur comportement a été un peu limite. Hein. Avec les paris, on tend, tu sais quoi. Bon, on n'a pas trop aimé. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et le prochain vlog, c'est là où on parle là directement. Donc je vous dis à très bientôt, à suivre.